Coucou, on se retrouve pour un partenariat avec One Day Saving. Alors, c'est du diamond painting. Je sais, on aime ou on n'aime pas. Ce qui m'avait intéressé dans ce partenariat, c'était que c'était des objets et non pas des toiles. Donc, la première vidéo, c'est l'ouverture. Donc, on va voir ensemble. Il m'avait demandé si j'acceptais un envoi sous enveloppe. Donc, j'avais dit oui. Alors, dans ce que j'ai choisi, il y a ce marquetage pan. Donc, on retrouve, comme à chaque fois, le marque-page, un kit avec la cire, le stylet et le petit compartiment. Les diamants, donc ils sont brillants, pas comme sur ceux que j'ai fait d'habitude, et le pompon qui viendra ici. Donc ici c'est un marque-page. Ensuite j'ai choisi un porte-clés, mais là il est tout fait. Je pensais que ça serait moi qui le ferais, mais non. Donc voilà, avec l'anneau. Donc celui-là, ben, je ne vais pas le faire. Ici. Donc ça fait du bruit, mais c'était ça fait partie du partenariat de déballer devant vous. Donc on retrouve le petit kit pour les diamants. Ici j'ai la chaînette avec deux anneaux. La petite cloche. Et donc la libellule. Donc en fait, vous avez la libellule, la petite cloche qui va venir ici et la petite chaîne pour la suspendre ici. Donc celui-là, on va le faire on le fera ensemble la prochaine vidéo. Et les petits diamants, donc toujours qui sont très brillants, c'est des strass en fait. Donc ça c'est pour le deuxième objet. Et le dernier, c'est un ensemble. Donc vous voyez quand même que tout est très bien emballé, même si c'est arrivé sous enveloppe. Donc ici toujours la pâte avec le stylet et il y a des pochettes en plus pour les diamants qu'on a en trop. Ici, c'est l'ensemble des diamants. Donc là, ce sont des diamants ronds, mais pas brillants, pas strass. Je pense que vous allez très bien voir la différence entre les strass, voilà, et les diamants classiques. Donc je suis bien contente d'avoir des ronds parce que jusqu'à maintenant j'avais eu des carrés, donc ça me donnera l'occasion de tester. Et donc là j'ai choisi 5 porte-clés. Donc les porte-clés, c'est Stitch. Donc, vous avez le premier, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. À chaque fois,
On va avoir une petite chaînette donc qui s'insérera en haut du personnage avec un crochet. Donc voilà la présentation des produits One Day Saving. Donc moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était que c'était pas des grandes toiles, ça change. Donc on va en faire ensemble dans la prochaine vidéo. J'ai jamais fait sur objet. Donc vous voyez aussi qu'ils vendent des porte-clés tout faits. Il y a des marque-pages, il y a énormément d'autres choses, hein. Je vous invite à aller sur le site. Moi, j'ai beaucoup aimé la libellule. Donc, il y a d'autres objets dans ce style. Il y a des sacs. Je pense que peut-être vous avez déjà vu des partenariats. Mais il y a des produits qui sont variés et qui changent de ce qu'on voyait. Il y a aussi des toiles. Mais voilà, il y a des choses qui sont différentes et un petit peu originales. Donc, je vous fais des bisous et je vous retrouve pour faire un stitch ou la libellule. Je vais voir ensemble. Bisous!